L'application Rap Punchline présente. Écris-moi une punchline aujourd'hui avec MRC. Comment ça va, poteau? Ça va, frérot, toi, c'est comment? Tu veux de l'amour, mais la haine t'égale. Tu veux tirer sur des cœurs, mais t'as que des ratatata. Y'a que de Dieu qu'on a peur. Bah les couilles de ces bâtards. Moi, tranquillement, hein. Un peu en promo en ce moment. Ouais, en ce moment on prépare l'album là qui va sortir le 29 juin. On est venu un peu avec Rap Punchline. On va faire une interview. Sortez-moi de cette lergue. T'es les gens t'es dans la merde. Personne ne te tend la main. Y'a que la zermie qui te fait le sympa. Tu vois la galère dans tes yeux, t'as même pas la taille. Confiant-tu n'as pas. Pour moi, c'est un groupe de mots destiné à éliminer quelque chose ou quelqu'un. Pour moi, c'est ça. D'accord, c'est une définition originale en tout cas. Ah ouais. Tu nous as pas dit la même chose que les autres, mais c'est bien. Est-ce que tu vas à la recherche, toi, de cette punchline ou est-ce que ça te vient naturellement? Naturellement, tu vois, ça sort naturellement. Si tu veux faire une punchline, c'est. T'écoutes ton cœur, t'écoutes ton texte, tu vois. C'est que ça. Ça vient spontanément, quoi. Obligé. Oh. Je le montre pas mais j'ai mal. Le chétin se trouve dans ta ville. L'enfer ou le paradis se trouve à deux pas. J'ai tout vu, la vie va tellement vite. Fuck la misère, non je regretterai pas. Rien dans les poches pour ça qu'elle est partie. Le cœur noir, fuck l'amour et mais je peux pas. Tu doutes de tout le monde quand on te la mise. La vie est dure, t'es ma comment je suis gueule. Ouais, de Booba, j'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi. Elle était lourde celle-là. D'accord, c'est une punchline qui t'a marqué. Ouais, lourd. Booba, c'est quelqu'un que t'écoutes? Ouais. J'écoute un peu tout ce qui se passe en ce moment, comme tout le monde, comme tous les rappeurs. Après, je fais mes choix. Ce qui est mauvais, j'enlève direct. Qu'est-ce que tu retiens de ce qui est sorti, par exemple, dernièrement? Dernièrement, il y a Kalash Criminel, le roi des sauvages. Tout ce qu'on veut, c'est des bongos. Niquez des mères à gogo. On vous rendra château rouge et matongué quand vous rendrez les diamants du Congo. Nous, RS, c'est pas la même. Ouais, mon gars, c'est plus pareil. Et franchement, il n'y a que ça qui vient dans ma tête là. Okay. Parce que je te mens pas, je suis pas trop à fond dedans aussi, tu vois. À chaque fois, j'écoute pas ce qui sort directement. Vu que aussi on est en mode promo en ce moment, on était beaucoup en studio, tu vois, c'est ça aussi. Ok. Pour la famille, je pourrais me tirer des balles et décaler ceux qui voulaient me faire du mal. À l'époque, personne me calculait mon état, c'est maintenant. On m'appelle même à 5h du mat. Quand j'étais pas là, t'as fait tout tes bails. Personne veut l'amour, tout le monde pense qu'à mailler. Je veux me balader autour de ces connards, avoir tous les dollars, puis me tailler. Méfie-toi de ton meilleur poteau, il veut te faire dans le dos, plata au plomo, ra ra ra. Maille-moi une fois, Kalash à la bagarre, ra ra ra. Méfie-toi de ton meilleur poteau, il veut te faire dans le dos, plata au plomo, ra ra ra. Ok, donc c'est une punchline sur l'amitié. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote ou est-ce que tu peux dire pourquoi tu as écrit cette punchline? C'est un peu ce qui se passe dans la vie, tu vois. C'est, tu ne veux pas trop faire confiance à tout le monde. Autour de toi, il y a des gens qui te collent tout le temps aussi, mais à qui tu ne peux pas très faire confiance. Et ça fait référence aussi aux poucaves, tu vois. Il y a peut-être une poucave qui est à 2 mètres de toi, mais tu ne le sais pas. Et voilà, c'est comme ça. D'accord, bah quand on parle, on sent que c'est du vécu. Ça t'est arrivé dernièrement? Dernièrement non, mais ça t'arrive tout le temps ça. Ça t'arrive tout le temps, mais tu fais semblant, y'a rien. Crois-moi j'étais mieux quand j'étais dans la hesse. J'ai perdu des proches, garde la tête là-haut. C'est trop sale mais tout est bon dans la tête. Dans ma tête je me sens pas là, je suis un gringo. Envie de tout péter sans raison. Je veux faire un million, caler le daron dans... Qu'est-ce que tu penses des rappeurs qui achètent les streams ou les vues? Pour moi, t'as vu, aujourd'hui, ça trompe beaucoup, tu vois, ça trompe beaucoup le public. Après, je sais que les jeunes, ils préfèrent les chiffres, ils préfèrent voir cliquer sur des chiffres que le talent aujourd'hui, je pense. Surtout, c'est ça le problème. Et faut développer ça, faut s'arranger avec les rappeurs qui achètent. Est-ce que toi, tu peux nous affirmer que t'achètes pas de stream? Ah, jamais, sinon on aurait déjà des 50 millions de vues, 40 millions de vues de partout, t'as vu. Les gens, ils font 2 millions de vues en 24 heures aujourd'hui, mais... On pisse même pas une salle de Xbox, voilà. Je vois le délire. Ils font les fous, ils ont parlé, mais ils sont où? Mais ils sont où? Ils sont où? Mais ils sont où? Ils sont où? Mais ils sont où? Ils sont cachés, mais ils sont où? Ouais, de Pablo, plata au plomo. Est-ce que tu peux nous redonner la définition de plata au plomo? C'est soit l'oseille, soit le plomb.
c'est la définition. Est-ce que c'est ta conception de vie? C'est ça, hein, la vie en général, c'est comme ça. L'État, les gouverneurs, les tout, c'est comme ça, ça se passe comme ça, c'est l'argent. On les connaît, ils ont la rage, mais ne t'inquiète pas. Si tu veux de la folie, viens dans mon équipe, t'inquiète pas. Ils font les fous, c'est des petits cons, donc ne t'inquiète pas. On les aura tous, on les aura tous, non, je m'inquiète pas. Donc on te propose trois thèmes. Okay. La Coupe du Monde, la Turquie et la famille. Donc soit tu prends les trois et t'en fais une punchline, soit t'en prends un des trois. Allez dire à la daronne que tôt ou tard ça paiera. Balle dans la tête, si on n'a plus rien à faire. Combien on léchait des pépons pour un petit bout de soya. J'ai toujours pas changé, je suis tous les jours dans ma zone. Je me mélange pas à ces pétasses, je suis dans ma zone. Venez pas nous casser les couilles, on est dans la zone. Dégagez d'ici, y'a que la famille dans ma zone. Tous les jours je suis dans ma zone, je suis dans ma zone. Tous les jours je suis dans ma zone, je suis dans ma zone. Tous les jours je suis dans ma zone, je suis dans ma zone. Tous les jours je suis dans ma zone, c'est clair, dans ma zone. Quand t'as mort sur le parking, 24 carats, c'est au cou de ma tarba. Génération embarquée dans des bordels qui nous forcent à porter le barba. Merci, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon mon gars. On t'écoute. Je préfère mourir sans oseille avec la famille que de mourir la tête haute, les fesses levées. Aïe. Ouais, ouais, mon frère. Le message est passé en tout cas. Merci voilà. À toi et merci. Merci à toi mon frère. Grosse force à toi. Merci beaucoup Rap Punchline. Rap Punchline et merci, tu connais. Hein. Non, ensemble.